Et yo tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. Sur ce, bon visionnage! J'ai réuni quelques objets qui pourraient servir pendant la bataille. N'hésite pas à prendre ce dont tu as besoin. Et si tu acceptes de me confier cette tâche, je m'occuperai aussi de barricader l'une des portes de la cité. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Oh ! La cité comporte 3 portes. Vue du palais, la porte du nord est en face, la porte ouest à gauche et la porte est à droite. On peut bouger une des portes avec du bois et des tonneaux de fer. Où veux-tu dresser la barricade? Oh! La porte nord a été barricadée. Il faudra plus de temps à l'ennemi pour pénétrer de ce côté-là. Décidément, nous sommes la proie d'événements bien étranges.
l'apparition des Guido et de l'Orni. Zelda que nous avons aperçue au bazar Hasek, mais Dorian a dit qu'elle soit passée à la cité Gerudo. J'ai le sentiment que tout est lié et que quelque chose se trame. Mais pour l'heure, nous devons préparer la bataille. Je suis désolée, Ellie, mais nous allons à nouveau avoir besoin de ton aide. Adresse-toi à Betera et aux soldats pour nous aider à établir un plan de défense. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Ah! Très bien. Dans ce cas, préviens Rijou. J'assurerai sa protection pendant le combat. Si quoi que ce soit arrivait à notre chef, ce serait la fin des Gerudo! Les préparatifs pour la bataille sont-ils terminés? Link. Cette voix, j'imagine qu'elle t'intrigue, toi aussi. Chef. Rapport. Une armée de Gibdo converge vers la cité. On en parlera plus tard. D'abord, on s'occupe d'eux. Betera. S'il nous encercle, c'est la fin. N'ayez crainte. Puisqu'ils nous attaquent, nous saisirons cette chance. Nous les détruirons tous et leur nid avec eux. Nous allons leur montrer ce qu'il en coûte de provoquer la colère des Gerudo. Oh ! Avec joie. Soldats, Link, ensemble, nous protégerons notre chef et nous défendrons la cité. La cité est encerclée. Il faut sécuriser les portes. Les monstres viennent de sortir du nid de la porte est. Il faut les éliminer.
au nid de la porte nord. Ils ne doivent pas entrer dans la cité. Oh ! L'ennemi marche sur la porte ouest. Ils vont goûter à mon attaque foudroyante. Ils sont entrés dans la cité. Comment ont-ils réussi à passer nos défenses? Des monstres volants à la porte est. Ils arrivent sur nous. Revoilà des monstres volants. Ils arrivent par la porte ouest. Ma foudre les abattra. L'ennemi s'approche de la place centrale. Préparons-nous à les recevoir. Il en revient toujours. Il faut détruire l'ennemi si nous voulons les arrêter. Abattez-les tous. Il faut tenir à tout prix. Pardonne-moi.
les préparatifs pour la bataille sont-ils terminés? La cité est encerclée. Il faut sécuriser les portes. Des monstres viennent de sortir du nid de la porte est. Il faut les éliminer. Link, je te remercie d'avoir combattu à nos côtés. C'est tout le peuple Gerudo qui t'en est reconnaissant. Thank you.
Maintenant que les nids qui encerclaient la cité ont été éliminés, les Gibdo ne devraient plus être une menace. As-tu toi aussi remarqué que les nids se désagrégaient en sable quand ils étaient détruits ? Il doit y avoir un lien entre les Gibdo et le sable. La brume de sable pourrait être à l'origine de leur attaque, ou bien ils sont responsables de cette brume de sable. Difficile d'en avoir la certitude. Et ce n'est pas tout. Je me pose aussi des questions sur la voix mystérieuse. Cette voix, la foudre, maintenant que j'y pense. Link, je veux te montrer quelque chose. Peux-tu me rejoindre devant la fresque de la grande salle dans la cité souterraine ? Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes, activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.